Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième séance de l'année 2019 des Trésors de Richelieu. Alors ce soir, nous allons avoir une conférence sur un objet un peu particulier et assez rare dans sa configuration actuelle, puisque donc nous avons une magnifique médaille qui est en plus une acquisition récente du cabinet des médailles de la BNF avec sa chaîne. Et pour nous présenter cet objet assez insolite, nous avons la responsable de la collection de médailles au cabinet des médailles, Inès Villers-Lapetit, qui est conservatrice donc à la BNF, qui est à l'origine plutôt spécialiste de Moyen-Âge, d'art du Moyen-Âge, mais qui s'est depuis de nombreuses années spécialisée aussi dans l'art des médailles, sur lequel elle a beaucoup publié. Et dans ces dernières années, c'était aussi l'une des commissaires de la belle exposition du musée de Cluny sur les Mérovingiens. Avec elle, pour parler donc de cette médaille de Louis XIV, Ludovic Jouvet, qui lui est en train de faire de finir une thèse sur justement l'art des médailles sous Louis XIV. Il a auparavant travaillé au cabinet des médailles. Il fait aussi le lien avec l'INHA, puisqu'il a aussi, pendant quelques années, été chargé d'études et de recherches à l'INHA, au département des études et de la recherche. Et il a également travaillé, si ma mémoire est bonne, au musée Lorrain aussi, pour s'occuper de la collection numismatique. Et il a aussi déjà publié plusieurs articles sur l'art des médailles de cette période. Voilà, je leur laisse tout de suite la parole. J'appuie. Je crois pas. Non. Vous m'entendez? Très bien. Je remercie beaucoup Cécile Colonna pour cette introduction et j'entre tout de suite dans le vif du sujet avec peut-être les caméras sur l'objet. Au printemps 2017, mon attention fut attirée par Monsieur Alain Veil, expert près la Cour de cassation, sur un ensemble, médailles et chaînes, dont la vente aux enchères n'était pas encore annoncée publiquement. Monsieur Veil, que j'ai plaisir à remercier, m'apporta la médaille pour la confronter aux exemplaires de même thème dans les collections du département des médailles et antiques. Je commençais alors à rédiger une note pour en suggérer l'acquisition au profit du département, note qui fut complétée le 6 juin 2017 lorsque me parvint le catalogue de la vente Christie's Paris de sculptures et objets d'art européens prévus le 13 juin suivant. Par un concours de circonstances favorables, des crédits déjà débloqués purent être reportés sur le lot numéro 47 de la vente Christie's. Dès la lecture de la notice, fort bien faite du catalogue, qui reposait à l'évidence sur des documents d'archives, il apparaissait que la provenance de l'ensemble, médaille en or, devise de Louis XIV et sa double chaîne en or, était exceptionnellement bien documentée et que cette provenance même pouvait contribuer à éclairer le sens des deux éléments au premier abord disparates qui le constituaient. Je puis donc préempter le tout au nom de la Bibliothèque nationale de France. La demande de certificat de circulation qui nous était parvenue entre-temps se retrouva ainsi sans objet. À de rares exceptions près, les médailles de Louis XIV n'étaient produites en or qu'en deux exemplaires, un pour le cabinet du roi et un autre pour la cassette personnelle du roi. Les dons à des personnages de haut rang sont l'exception. Les médailles de la cassette furent fondues dès la fin du règne. Seules subsistent au département des médailles et antiques de la bibliothèque, celles du cabinet du roi qui ont échappé au vol de 1831. Outre que les collections publiques se trouvent depuis privées d'une grande partie des plus belles médailles d'or de Louis XIV, le département ne possédait aucun exemple du XVIIe siècle de médailles offertes par le roi ayant conservé sa chaîne. Il s'agit donc d'une médaille en or du poids de 92,56 grammes pour un diamètre de 5,3 cm, pourvue d'une bélière. La raison d'être de la bélière est manifestement liée à la chaîne à laquelle la médaille est associée, mais nous y reviendrons. Elle explique sans doute le choix de la fonte pour la fabrication de cette médaille au lieu de la frappe au balancier, technique la plus courante pour les médailles royales du XVIIe siècle.
Au droit de la médaille, le portrait en buste drapé de profil vers la droite du roi Louis XIV tête nue, que vous avez vu, portant l'armure et la cravate, est accompagné de la légende circulaire Ludovicus Magnus Fron et Nav Rex Pepe, Louis le Grand, roi de France et de Navarre, père de la patrie. Au revers, que vous avez ici, un soleil dissipant les nuées au-dessus de l'orbe du monde est assorti du mot « Nec pluribus impar », l'exergue porte la date de 1672. Il nous faut d'abord examiner de plus près cette célèbre devise, réputée aussi obscure qu'elle est solaire. Elle est supposée avoir été conçue par l'antiquaire Louis Douvrier en 1662 pour une médaille du roi créée par Jean Varin, tailleur général des monnaies et maître de la monnaie du moulin, institution qui avait le privilège de la frappe des médailles. Louis Douvrier, gentilhomme languedocien qui s'était acquis une réputation dans la composition de devises et inscriptions, fut précisément nommé par Colbert à la Petite Académie en 1662, Petite Académie qui était l'ancêtre de l'Académie des inscriptions et qui, dont la première fonction fut le choix des devises pour les médailles du roi. Cette devise associant une image emblématique à une inscription concise reste une des images les plus emblématiques du règne du roi Soleil. Le motif est cependant antérieur. On peut peut-être repasser au PowerPoint. L'assimilation du souverain au soleil n'est pas une spécificité du règne de Louis XIV. Le motif est des plus courants depuis l'Antiquité. Cependant, dès le début de la régence d'Anne d'Autriche, le 14 mai 1643, il est réactivé pour mettre en valeur le jeune roi, ainsi à travers une médaille d'Abraham Dupré, datée de 1643, qui présente au droit les bustes conjoints de l'enfant roi lauréat antique et de la régente, et au revers, Apollon conduisant le char du soleil, guidé par l'étoile du matin, avec cette devise qui explicite le propos, « Ex solem previa ducit », c'est-à-dire « Elle, l'étoile, la reine, précède le soleil, le roi, et le conduit ». Cette prédilection pour l'emblème solaire ne se démentira plus tout au long du règne du roi soleil. Avant même le début du règne personnel, le mariage avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, le 9 juin 1660, est une occasion de filer la métaphore. Une lettre du cardinal Mazarin à Colbert en 1659, citée par Ivan Lescoutoff dans le livre qu'il a consacré à la propagande du cardinal Mazarin, exprime la nécessité de choisir une devise pour le roi. Je cite, « Pour la devise du roi, il me semblerait que celle du soleil avec les paroles « Fecundis ignibus ardet » serait bonne. Néanmoins, je me remets à ce que vous résoudrez après avoir fait examiner toutes les autres aux connaisseurs. » Une médaille de 1659 signée de Jean Varin montre un paysage riant en une vue à vol d'oiseau, réchauffé par les rayons d'un soleil pleine face à rayons droits et ondés alternés. La devise n'est pas encore fixée. Ici, nec potior nec par, c'est-à-dire nul plus puissant que lui, nul autre ne l'égale. Et cette devise est ainsi glosée par le père Ménétrier dans son Histoire du règne de Louis le Grand par les médailles, emblèmes, devises, jetons, inscriptions, armoiries et autres monuments publics, paru en 1693. Je cite à nouveau, « Les visites que fit le roi des villes et des provinces de son royaume sont comparées en cette médaille aux visites du soleil. » Et la concision de la formule latine de la légende est ainsi développée. Donc, nec potior, nec par, qui n'a pas son pareil au monde, ni aucune autre puissance qui l'égale. Ce sont cette composition et devise qui seront retenues pour les jetons du mariage de 1660, le paysage ensoleillé pouvant se lire comme bon augure pour l'avènement d'une nouvelle ère de paix et de prospérité, tandis que la légende s'applique au roi seul. Plus approprié pour l'événement, le mot « fecundis ignibus ardet », les feux dont il brûle sont féconds, qui avait la préférence de Mazarin, apparaît sur une autre variante, tant sous forme de grandes médailles de collection pour les cabinets numismatiques que de petites médailles de distribution à portée, comme l'indique l'orbellière. Le soleil en son midi dissipe les nuées. Bien que l'inventaire du cabinet du roi à Versailles de 1685 mette ses médailles en relation avec le mariage de Louis et Marie-Thérèse, comme vous voyez ici un extrait, l'allusion est surtout portée par la légende, le corps de la devise étant assez polysémique. Dans le même temps, le cardinal Mazarin faisait faire pour lui-même plusieurs médailles, dont une assez baroque, évoquant le chaos du commencement du monde, percé par les rayons divins, ce que l'inventaire des médailles du roi de 1685 traduit comme une évocation limpide de l'action du ministre pendant et depuis les troubles de la Fronde.
Le soleil dissipant les nuages semble ici surtout associé à la paix des Pyrénées de 1659, donc qui prépare le mariage. La légende de la médaille du cardinal, Inc ordo in copia rerum, l'ordre et l'abondance en procèdent, pouvant aussi bien faire allusion à l'épiphanie divine, au soleil, au roi, à l'action du ministre ou au mariage même. La polysémie est une caractéristique propre aux devises. Une qualité même qui permet toutes sortes d'usages et de remplois, assurant ainsi leur succès. La formule « nec pluribus impar » n'échappe pas à la règle. Moins absconce qu'on le dit, sa réputation d'obscurité est surtout entretenue par la diversité des traductions proposées à l'époque moderne. Je cite « à nul autre pareil, au-dessus de tous, égal même à plusieurs, car il égale les autres, suffisant seul à tant de choses, ou encore... tout lui est possible. » Louis XIV lui-même convenait dans ses mémoires qu'on avait trouvé quelque obscurité dans ses paroles et prétextait son large emploi dans ses bâtiments et en une infinité d'autres choses pour ne pas juger à propos d'en changer. Il y eut à vrai dire plusieurs devises parallèles, mais le choix du roi ne se démentit pas. En effet, un certain hermétisme ne nuit pas aux devises qui ont toujours représenté des sujets de curiosité et de conversation pour gens instruits. N'en déplaise au père Ménétrier, qui consacra à défendre l'originalité de cette devise un premier opus en 1679, la devise du roi justifié, elle semble bien reprendre un motto de Philippe II d'Espagne, souverain de l'ancien monde et du nouveau monde, « Nec pluribus impar », fait alors le sens de « je suffis à plusieurs mondes », donc allusion aussi à l'Amérique, ou encore, autre devise de Philippe II, « non sufficit orbis », « le monde ne me suffit pas ». Le soleil ne se couchait jamais sur son empire. Et on a aussi la devise « Sol mi semper lucet », donc le soleil brille toujours pour moi. Plusieurs médailles du roi de France s'inspirent d'ailleurs du modèle de Philippe II, à commencer par celle de 1643 au char d'Apollon, qui est d'après une grande médaille de Jacopo d'Atrezzo, datée de 1555. Car dans cette surenchère de la démonstration de puissance, les détournements et appropriation de devises sont choses courantes et ne les invalident pas. Dans les mémoires de Louis XIV, la devise devient donc « je suffirai à éclairer encore d'autres mondes ». Ce qui rejoint l'explication de l'inventaire de 1685, c'est la devise du roi qui marque son grand génie, capable de gouverner plusieurs mondes. La composition s'est absolutisée, pourrait-on dire, et prend un caractère cosmique, presque abstrait. Dans la médaille de Varin de 1662, donc un soleil à petite face éclaire la sphère du monde tout en dissipant les nuées. Le recours à la sphère est aussi un emprunt à l'emblématique de Philippe II, devenu roi de Portugal à partir de 1580, royaume dont la sphère armillaire était l'emblème. Sous forme de globe du monde, il fut aussi repris par les Hollandais, d'abord dans une intention satirique que vous avez ici, la médaille au lion batave poursuivant le cheval de Philippe II en 1602, puis pleinement approprié donc par les Hollandais, les Provinces Unies, dans la médaille de la Compagnie des Indes occidentales de 1629. On a une map monde en fait qui occupe en fait toute la surface. Cependant, la composition initiale de Varin pour le roi Soleil évolue au fil des années. Plusieurs carrés successifs seront gravés tant par Varin lui-même que par ses élèves, Jean Mauger, et notre médaille de Varin, une variante, et par Mauger, Jean Mauger et le Suédois Arvid Carlstein, toujours dans le sens d'une amplification du soleil, dont le visage chevelu finit par ressembler à celui du roi. Et donc au détriment du globe terrestre qui rapetisse jusqu'à disparaître complètement sur la médaille de Carlstein, d'ailleurs associée à une autre légende, Sibi Soli Par, égal à lui seul ou égal au soleil seul. Les réinventions brodant sur le motif ne sont pas exclues, mais n'auront jamais le même succès. Ainsi, la médaille de Jean-Baptiste Dufour a la devise trop littérale « In rorem et fulmina », dans la rosée et les éclairs, ou pour faire la rosée et former la foudre, que l'on rencontrait aussi sur un bas-relief de l'église de l'Oratoire, ainsi décrit.
trois bas-reliefs, dont le plus haut a cette inscription « In rorem et fulmina », ce qui est expliqué par un soleil qui attire des vapeurs et des exhalaisons dont se forme la rosée, aussi bien que la foudre, pour montrer qu'une même cause produit souvent divers effets et que du même bras dont le roi soutient ses sujets, il abat ses ennemis. Nonobstant, la composition de Varin dans sa seconde version, associée au Nec Pluribus une part, sera officialisée comme la devise du roi dans le volume des médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand de 1702. L'explication définitive est la suivante, ainsi que les rayons de cet astre éclairent à la fois la terre et plusieurs globes célestes, de même le génie du roi suffirait à gouverner ensemble et la France et plusieurs royaumes. Très ambitieux. Plutôt que des tâtonnements vers une formule parfaite, ces variantes révèlent la grande production de ces médailles à la devise, dont il faut sans cesse retailler les coins. Le nombre sans précédent des reprises et remplois montre, s'il était besoin, la pleine approbation du roi. La plasticité de la devise lui a permis d'être associée à différents épisodes de la geste royale et explique son succès. Il en existe, on l'a vu, de nombreuses versions, notamment en médailles de grand module, frappe ou fonte, portant les hymnes 1663, 1664, 67, 72 ou 73 par divers artistes. Les techniques employées sont aussi variées. La fonte, si elle est moins fine dans le détail, permet des effets de matière, ainsi le fond grenu qu'on a sur cette nouvelle acquisition, et l'intégration d'une bélière à toutes fins utiles. Tandis que pour la frappe, il s'agira tantôt de gravures directes des coins en creux et en images inversées, tantôt de l'utilisation de poinçons partiels, en relief et positifs, facilitant la production des coins et leur renouvellement lorsqu'ils sont abîmés par les frappes répétées au balancier, ce qui semble avoir été le cas. Et c'est ce qu'on appelle en anglais « time-saving devices », donc outils permettant de faciliter le travail et de le rendre plus rapide, couramment employés dans la production monétaire qui porte sur de grandes quantités, le sont aussi parfois pour des médailles, pour certaines médailles. La monnaie de Paris conserve ainsi plusieurs poinçons du buste royal et un remarquable poinçon du globe terrestre, ainsi que des coins d'avers et de revers de la médaille à la devise de 1672 qui était reproduit dans le catalogue Christie's. Parmi toutes les médailles de Louis XIV, aucun autre type n'a connu une telle fortune. Cependant, le département des médaillés antiques ne possédait jusqu'ici aucun exemplaire de celle de 1672, tous métaux confondus. Elle n'est connue que par un seul autre exemplaire en or, provenant des collections du roi d'Angleterre George III et aujourd'hui conservé au British Museum, et par deux exemplaires en argent aussi au British. Contrairement à la médaille de la vente Christie's, l'exemplaire en or du British est une frappe et est dépourvu de bélière et bien sûr de chaîne. Il n'est pas signé, mais est attribué à Varin par Sir Mark Jones, ancien directeur du Victoria and Albert Museum et grand spécialiste de l'artiste. Il s'agit là d'une de ses dernières créations. La médaille nouvellement acquise chez Christie's est donc un exemplaire de cette deuxième version de la devise par Varin, au grand soleil chevelu et sans ligne d'exergue. L'abondance des médailles à la devise, tout type confondu, implique cependant qu'elles furent largement employées pour les distributions aux courtisans et échanges de cadeaux diplomatiques. On ne conserve malheureusement pas de liste de récipiendaires, mais c'est précisément là que notre nouvelle acquisition peut nous éclairer. Elle vient directement de la famille alsacienne des Renach-Hirtzbach, famille où elle s'est conservée jusqu'à la vente de 2017. La chaîne, plus particulièrement, est attestée par les archives dès le XVIIIe siècle à travers plusieurs successions. En décembre 1733, Jean-Baptiste de Renach-Hirtzbach, ancien lieutenant au régiment d'Alsace, avant de devenir coadjuteur de son frère Johann Conrad von Renach-Hirtzbach, prince évêque de Bâle, et peut-être à la suite d'un accident qui le laissa invalide, prit ses dispositions testamentaires par un fidéicomis pour faire de leur neveu François-Amand de Renach-Hirtzbach son héritier universel. Il est alors fait mention d'une chaîne en or estimée 1700 livres tournois. Considérant le poids de la chaîne telle qu'elle nous est parvenue, 633,15 grammes, ceci nous donne un poids de la livre à 0,37 grammes d'or, cohérent avec l'évolution de la livre sous Louis XV. Au décès de François Amand, ses biens sont dévolus à son fils Joseph Anton, et un fidéicomis de 1816 reproduira la mention de la chaîne inchangée,
telle qu'elle était, donc déjà en 1633. En 1733, lors du renouvellement du fidéicommis par les enfants de Joseph Antoine et son fils Charles conservant la médaille pour lui. Elle passe ensuite à son fils aîné Esso et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Mais au-delà de cette ligne de transmission bien étayée depuis 1733, la mémoire familiale a conservé le souvenir de la réception initiale de la chaîne. Une note manuscrite de Charles de Rena-Kirzbach, peut-être rédigée en 1837, à l'époque où il faisait peser la chaîne par un orfèvre de Bâle, attribue l'origine du présent à Louis XIV. Je cite, « D'après le mémoire aimablement fourni par M. Antoine de Rena-Kirzbach, que je remercie, je cite donc, « Cette chaîne a été donnée par le roi Louis XIV à Théobald de Rénac de Hirzbach, Landhofmeister à Altkirch, lors de la réunion de l'Alsace à la France. » Originaire de l'évêché de Bâle, en Suisse, les Rénac sont possessionnés dans le Sundgau. Alors ici, dans le Sundgau, le Sundgau, pardon, en Haute-Alsace, la seigneurie ayant pour chef-lieu Hirzbach, au sud d'Altkirch, entre Belfort et Mulhouse, et non loin du comté de Ferrette, donné par Louis XIV à Mazarin en 1659. À la suite de la guerre de 30 ans qui avait ravagé l'Alsace et la Lorraine, les traités de Westphalie, et plus précisément le traité de Münster d'octobre 1648, firent en effet passer dans l'escarcelle du roi de France les droits que la maison d'Autriche possédait sur les Landgraviats d'Alsace, à savoir le Sundgau, Ferrette y compris, différentes seigneuries, Rénac, mais aussi Rappolstein, c'est-à-dire Ribeaupierre, Bolviller et Issenheim, ainsi que les terres dites engagées, et les places fortes de Brisach et Philippsbourg, les droits de bailliage sur les villes de la Décapole également, à l'exception donc de Strasbourg et Mulhouse. La région est ainsi un avant-poste stratégique. Elle permet de prendre à revers le duché de Lorraine, la Franche-Comté, qui est alors une terre espagnole, et de prendre position face à l'empereur. Le traité de Ryswick de 1697 achèvera de réunir à la France le reste de l'Alsace et sa capitale, Strasbourg. C'est dans ces circonstances que plusieurs barons d'empire passèrent au service de la France. Jean Théobald de Rénac-Hirzbach ou Hans Diebold von Reinach-Hirzbach à l'allemande, fils de Melchior, devenu baron d'empire en 1635, fut de ceux-là. Il participa aux campagnes de Flandre côté français et surtout il eut par deux fois au moins l'occasion de représenter l'Alsace à la cour de France. Alors ici, une petite erreur que m'a signalé M. de Rénac, c'est-à-dire que le Rénac d'origine de la famille n'est pas celui au sud de Bâle, mais un autre lieu de ce nom en Argovie. Et ici, vous avez un aperçu avec le comté de Ferrette. Jean Théobald eut l'occasion, donc par deux fois, de représenter l'Alsace à la cour de France. Il fut ainsi chargé en 1660 par le corps de la noblesse d'Alsace de collecter les fonds nécessaires pour envoyer une députation à Paris chargée de féliciter le roi de la paix avec l'Espagne et de son mariage avec l'infante, ce qui correspond à la période de conception de la devise, mais trop tôt pour une médaille de 1672. Devenu conseiller de l'évêque de Bâle, Jean-Conrad de Roggenbach, et son intendant général, il fut missionné en 1669 par les prévôts et chanoines de Bâle pour obtenir du roi restitution des biens du chapitre à Fribourg. C'est donc à la suite de ce nouveau voyage à Paris que Jean Théobald reçut du roi la chaîne et sa médaille. On peut passer à la caméra pour voir de plus près cette chaîne. La médaille de Jean Théobald de Rena-Kirzbach est accompagné d'une longue chaîne de 633 grammes, alternant maillon torsadé et maillon droit rainuré, apporté en écharpe. La bélière pouvait être passée dans un maillon ouvert. L'ensemble, bélière de la médaille, donc l'ensemble pèse 726 grammes au total, médaille comprise. Un portrait de famille représentant un autre personnage, alors je vous laisse regarder un petit peu les maillons. Mais nous verra après, un portrait de famille donc représentant un autre personnage montre de quelle façon la bélière pouvait être passée dans un maillon de la chaîne et portée en bandoulière comme un baudrier. Durant toute la seconde moitié du XVIIe siècle, pendant cette phase de conquête progressive des régions de l'Est, Louis XIV eut besoin de relais pour administrer le pays.
La création d'un réseau de fidélité au sein de l'aristocratie alsacienne lui permettait de consolider ses conquêtes récentes à une époque où la noblesse d'Alsace restait très attachée au Saint-Empire. Le ralliement des Rena-Kirzbach, possessionnés dans le Sundgau, méritait assurément une reconnaissance particulière de la part de Louis XIV. Le présent d'une médaille à portée, et on aura noté à travers les archives combien la chaîne est mise en valeur bien plus que la médaille, est une forme de récompense, de prestige, destinée à honorer un fidèle et un personnage important dans la politique alsacienne du roi. La représentation fréquente sur les portraits peints de ces chaînes à médailles montre à quel point elles étaient prisées. Alors, la chaîne est très belle, vous en voyez des détails. On va peut-être revenir au PowerPoint. Donc voici un portrait de famille avec cette représentation d'une médaille accrochée à une chaîne et des détails, alors cette fois en photo, avec tentative de reconstitution, vous voyez les détails de la chaîne. Et donc, représentation fréquente sur les portraits peints de ces chaînes à médailles montre à quel point elles étaient prisées. Le don de l'image du roi à travers sa médaille diffuse aussi une fidélité à la personne du roi. Les exemplaires en or avec chaîne ouvragée marquent la distinction suprême. On sait ainsi qu'à l'occasion du renouvellement de l'alliance avec les Suisses, le 9 novembre 1663, les envoyés helvètes reçurent une médaille spécifique à l'événement, montrant la prestation du serment. Le chef de l'ambassade reçut alors un exemplaire en or, assorti d'une chaîne à 6 rangs, les ambassadeurs des 13 cantons chacun une chaîne à 4 rangs, les envoyés des villes à 3 rangs, les autres membres dans l'ambassade une chaîne simple ou une médaille sans chaîne. La préciosité de la chaîne marque le rang. En d'autres cas, celui-ci est indiqué par le métal, or ou argent, ou la plus ou moins grande préciosité de la monture. Comme on voit dans l'exemple suisse, il arrivait qu'une médaille spécifique fût frappée pour une occasion particulière, mais le plus souvent une médaille générique faisait parfaitement l'affaire. Telle fut à l'évidence la médaille à la devise au sein du royaume et dans les échanges avec les cours européennes, tandis que, comme l'a montré Robert Wellington pour les présents extra-européens, destinés tant aux ambassades de Perse qu'aux ambassadeurs de Perse, qu'aux chefs indiens d'Amérique, c'est l'image de prospérité et fécondité véhiculée par une médaille de Joseph Retier de 1693, montrant au revers les portraits du grand dauphin et de ses fils, qui fut privilégiée. Un exemple étranger, bien documenté de cette vogue des médailles à portée, est celui de la médaille d'honneur assortie de sa chaîne, donnée en 1657 par l'amirauté d'Amsterdam à l'amiral hollandais Michel de Ruyter. Et ceci en reconnaissance de la capture de deux vaisseaux corsaires français au large de la Corse. Médailles et chaînes conservées pieusement par la famille sont aujourd'hui au Rijksmuseum d'Amsterdam. Au droit de cette médaille en or, qui a ici trois bélières, le lion de Hollande, tenant deux ancres et entouré d'une barrière, représente la Hollande, puissance maritime et jardin clos bien défendu. Il s'agissait ici d'une forme de décoration destinée à être portée, et on notera le système d'attache à trois chaînettes et anneaux. L'amiral fut aussi honoré après sa mort, par une médaille commémorative, cette fois sans bélière ni chaîne, puisque d'emblée conçue comme un objet de collection, dont un exemplaire parvint très tôt dans la collection du roi de France. Les portraits faits du vivant de l'amiral de Ruyter le représentent toutefois avec un autre type de bijou honorifique. Plus prestigieux encore que la médaille d'Amsterdam, puisqu'il s'agit du collier de l'ordre français de Saint-Michel qu'il avait reçu en 1666. L'amiral se montre ainsi, décoré d'un ordre ennemi, forme de reconnaissance suprême de sa valeur. Son propre pendentif en fait, du collier d'ordre qu'il avait reçu. Les colliers d'ordre, qui préexistent aux chaînes et furent la première forme de ce qui allait devenir décoration, en donnent sans doute le prototype. On notera d'ailleurs que la chaîne d'Amsterdam peut être présentée et portée en collier. Je passe la parole à Ludovic Jouvet. Oui, alors effectivement, la chaîne et sa médaille en or, si elles semblent d'un prestige inférieur aux grands ordres de chevalerie, marquent une proximité très personnelle, presque physique, entre le roi et le récipiendaire de la médaille. Cette proximité, qui est donc rendue visible par la médaille, hein, qui est
donc le portrait du roi qui est porté au plus près sur le corps, hein, comme les bijoux les plus précieux, donne toute sa valeur à cette récompense. Les membres issus de la bourgeoisie, qui ne peuvent pas toujours prétendre à recevoir les grands ordres de chevalerie, utilisent très volontiers cet objet symbolique pour signifier leur proximité avec le souverain. Et un exemple, le premier exemple que nous allons voir est celui de cet Anglais, de cet homme politique anglais, militaire, qui était aussi astrologue et antiquaire, membre fondateur de la Royal Society, et surtout un très fervent soutien de la monarchie britannique dans la fin du XVIIe siècle. Les récompenses qu'il a reçues sont d'ailleurs toujours conservées dans le musée qui a été fondé à partir de ses collections, l'Ashmolean Museum. Et vous voyez en haut là la vitrine où sont visibles donc aujourd'hui les médailles qu'il a reçues. Elles sont mises en scène dans ce très beau portrait d'Elias Ashmole, hein, peint par John Riley, qui est un des principaux peintres de la monarchie britannique, et où l'on voit dans ce portrait donc, une mise en scène, encore une fois, du principal mérite d'Ashmole, qui est la rédaction de ce volume ici. Et ce volume est l'histoire de l'ordre de la Jarretière, qu'il a écrit en 1672. Livre qui, en réalité, retrace l'histoire des principaux ordres de chevalerie d'Europe. Et son ouvrage, si je vous en parle, c'est qu'il devient rapidement célèbre parmi les princes d'Europe, et nombreux furent ceux qui l'honorèrent, hein, pour ce travail. Et vous distinguez d'ailleurs les cadeaux qu'il a reçu en remerciement de l'écriture de cet ouvrage. Alors, le premier, ici, représente les 400 livres sterling qui ont été offerts par le roi d'Angleterre, Charles II. Ensuite, sur la table, une médaille du roi de Danemark. Ici, c'est le badge de l'ordre de la Jarretière, donc qui est lié à son ouvrage. Une chaîne qui lui a été offerte par le prince électeur du Palatinat, et une autre chaîne qui, elle, a été offerte par l'électeur de Brandebourg. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les médailles étaient encore conservées. Donc, nous avons mis ici des photos qui vous en donnent les détails. Et on peut admirer évidemment la différence entre ces deux chaînes. La première, la plus simple, j'allais dire, hein, celle qui se trouve sur la table, qui a été offerte donc par l'électeur, le prince électeur du Palatinat, est formée, vous le voyez, de deux maillons, hein, placés en alternance, hein, donnent plus de volume à cette chaîne et qui reprend les formes traditionnelles, hein, des gros colliers que vous avez vus, par exemple, autour du cou de Michel de Ruyter. Autre, la deuxième sienne, la plus baroque, si on peut reprendre ce genre de mots, elle est intéressante à plus d'un titre. Tout d'abord, par la qualité du travail. Vous voyez que la grande différence entre les deux chaînes, des gros maillons, hein, quadrilobés, remplis d'entrelacs, et ce qui est très intéressant pour nous ici, c'est le système d'accroche. Il ne la porte pas autour du cou, hein, qui est déjà occupé par cette imposante cravate et surtout cette imposante perruque, et l'artifice qu'il a trouvé pour exposer sa médaille, hein, c'est de la poser sur les hanches et de la rattacher au niveau du buste, hein, du bas du buste, par un petit ruban. Hein, cette médaille de ce prince allemand, hein, de Brandebourg. Cette finesse des chaînes en or, hein, ce travail d'orfèvre lié à ces chaînes, pardon, vous le retrouvez dans ce portrait du peintre officiel de la cour de Vienne,
Martin van Meitens. Et si vous regardez sa chaîne, vous devinez les maillons ovales, de forme ovale, pardon, des maillons ajourés, à laquelle pend une large médaille en or de l'empereur Charles VI, tandis que dans la main droite, il tient le portrait peint en miniature de la nouvelle impératrice, du nouveau souverain, l'impératrice Marie-Thérèse. Et cet autoportrait combine les deux marques de faveur qui étaient à disposition du prince hein, pour combler leurs fidèles, la boîte à portrait et la chaîne et la médaille en or. Alors vous l'aurez compris, montrer la faveur royale, démontrer sa propre valeur, se distinguer de ses semblables, tel est le but évidemment de ces objets qui étaient destinés à être portés et être vus. L'usage en est connu donc dans la noblesse qui se partage les ordres de chevalerie, comme l'ordre de Saint-Michel ou encore l'ordre du Saint-Esprit. Et tout à côté de ces ordres extrêmement prestigieux et réservés aux plus grands personnages, des récompenses honorifiques sont instituées par le pouvoir souverain. À titre d'exemple, Louis XIV crée à la fin de son règne, en 1693, l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui récompense les officiers catholiques de grand mérite. Le roi récompense aussi, évidemment, les artistes à son service. Et durant son règne, plusieurs d'entre eux sont anoblis. Les peintres Charles Lebrun et Pierre Mignard, les architectes Jules Ardoin Mansart, Robert de Cotte et Jacques Gabriel, ou encore le jardinier Lenôtre. Et en corollaire de cet anoblissement, ils reçoivent le cordon de l'ordre de Saint-Michel. Et c'est revêtu de cet insigne, vous le voyez ici, que les artistes, ces grands artistes, se font représenter dans leurs portraits. Le seul qui détonne un petit peu dans cette série, c'est Charles Lebrun, qui, bien que chevalier de l'ordre de Saint-Michel, dans ses portraits, dans ses autoportraits, il se fait représenter, non pas avec le collier de l'ordre, mais avec une boîte à portraits, cette boîte à portraits entourée de diamants. Et manière pour lui de montrer, de démontrer son lien personnel avec le souverain. La représentation visuelle d'un lien très, très, très spécial, très particulier entre le roi et son artiste favori est en réalité déjà ancienne hein, au temps de Louis XIV. Et il faut remonter au XVIe siècle et se rendre en Italie pour en retrouver les premiers exemples. Le regard au loin, richement vêtu d'un manteau de fourrure, de gants et d'un bonnet de lettré, Titien renonce dans son autoportrait à toute référence à son activité de peintre. Il se présente comme noble peintre, justement, et la chaîne en or qu'il porte en sautoir, offerte par l'empereur Charles Quint, en est le symbole. Ce don de Charles Quint à Titien, outre la matérialisation de la faveur du prince revêt une symbolique toute particulière chez les artistes, puisque la chaîne en or est le cadeau d'Alexandre le Grand à son peintre. Cet objet précieux devient dès lors, vous l'aurez compris encore une fois, la marque de la relation privilégiée entre le prince et son artiste. Le peintre, vu son palais à Rome, qui se considérait probablement aussi comme un prince, mais le peintre Zuccari, qui adopte le même modèle que Titien avait inauguré, un autoportrait, où l'artiste porte en sautoir une chaîne d'or, dans un moment de réflexion créatrice. Alors, c'est beaucoup plus visible voilà, dans cette fresque. Hein, et je vous ai mis derrière hein, l'entrée, la façade hein, de son palais romain, hein, qui est près de la villa Médicis. Et à cette chaîne d'or, vous voyez ici, pend une médaille au portrait, probablement ici le grand-duc de Toscane. La médaille permet donc de montrer
au peintre, enfin, est un moyen pour le peintre de montrer sa fidélité et en retour de se poser comme l'artiste favori du prince. Zoccalli, qui reçoit à la fin de sa vie une pension et un titre de noblesse du roi d'Espagne, prend soin de traduire cette faveur dans la peinture, dans un autre autoportrait. Le peintre donc porte un autre collier, une autre chaîne, avec la médaille de Philippe II. C'est celle-ci, c'est la plus grande, ici. Parfois, le peintre peut interpeller le spectateur. Van Dyck, dans son célèbre autoportrait au tournesol, d'un geste évocateur, nous montre sa récompense et par voie de conséquence, évidemment, son talent. Main droite tenant une chaîne d'or, main gauche montrant un tournesol, la main, hein, qui est le véhicule de la création artistique, est aussi la source de la récompense, hein, qui est justifiée par la fidélité, hein, qui est symbolisée ici par le tournesol, de Van Dyck au roi. Ce jeu double de la main, le peintre français Pierre Dupuis le reprend à son compte et le met en scène également. Pierre Dupuis donc est un peintre de fleurs. Il a été reçu à l'Académie de peinture et de sculpture en 1664. Hein, c'est le sens de l'inscription qui borde ce portrait, gravé d'après une peinture de son ami le peintre Nicolas Mignard, hein, qui est le frère du célèbre Pierre Mignard. Peinture qu'il réalise pour célébrer la réception de Dupuis à l'Académie. Vous le voyez, avec sa main, la droite, hein, sur le tableau original, il découvre la médaille d'or qui pend à sa lourde chaîne. L'inventaire après décès de sa première femme nous apprend que Pierre Dupuis possédait cette chaîne d'or et sa médaille bien avant sa réception à l'Académie. Il n'y a donc pas de lien entre les deux événements. Mais ne nous dit rien, malheureusement, sur l'identité du personnage, hein, qui est représenté sur la médaille. Il ne s'agit pas ni de Louis XIII, cela ne correspond pas aux dates, ni de Louis XIV. Le portrait n'a rien de Louis XIVien. Il s'agit probablement du portrait de son protecteur, le comte d'Harcourt, un membre de la famille de Lorraine, et proche ministre de la fin du règne de Louis XIII et de Louis XIV, et du début du règne de Louis XIV. Se faire représenter portant une médaille qui pend à une chaîne est en réalité assez rare en France, et la gravure que je vous ai montrée de Dupuis est en réalité le seul exemple que j'ai trouvé à ce jour. Et son usage, au contraire, semble beaucoup plus courant en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Angleterre. Perruque longue et manteau lourd, vous voyez le peintre sur la gauche, Van der Neer, qui présente au premier plan une de ses œuvres destinées à l'électeur palatin. Ce peintre venait de le nommer peintre officiel de sa cour et de lui remettre, évidemment, comme signe de sa position nouvelle, une médaille et sa chaîne en or. Cet autoportrait, Van der Neer le réalise pour l'envoyer au beau-père de l'électeur palatin, le grand-duc de Toscane, pour prolonger la série de portraits d'artistes que les Médicis avaient créés dans leur palais. Van der Neer est donc très conscient qu'il participe à une série très prestigieuse, à une espèce de généalogie des artistes les plus illustres, et il met donc dans ce portrait en avant la récompense, il met en avant son talent, hein, c'est le sens de ce petit tableautin, aussi qui exprime la culture du peintre, hein, puisque le sujet représenté est un sujet assez rare, puisque c'est un épisode de l'histoire d'Agar, qui est la servante de la femme d'Abraham, et qui est extrêmement rarement représentée en peinture. Le même processus est à l'œuvre chez l'anglais Cnella, ici sur la droite. Cnella, qui est
qui est le premier peintre des rois d'Angleterre. Son autoportrait est lui aussi destiné à la galerie des portraits d'artistes des Médicis. Vous distinguez assez mal, je crois, au second plan, une esquisse de Kneller. Hein, ce sont une esquisse d'un décor qu'il avait créé, donc une exposition de ses aptitudes, de son talent de peintre, non pas de son métier de peintre, mais de sa pratique de peintre. Dans l'arrière-plan, Witton Hall, c'est la maison qu'il avait fait construire pour pouvoir vivre noblement. Et enfin, évidemment, il porte en bandoulière une large médaille d'or, une imposante médaille d'or du roi Guillaume III d'Orange, qui est pendue à sa large chaîne d'or. Guillaume III d'Orange, qu'il avait nommé premier peintre et qu'il avait anobli. Et l'historien serait bien en peine d'en dire plus pour le moment sur l'importance sociale et culturelle de la médaille et de sa chaîne. Les peintures en sont le principal témoignage, des rares objets comme vous le voyez ce soir viennent compléter ces informations, et parfois quelques archives viennent nous éclairer sur l'importance symbolique de ces objets. Un exemple parmi d'autres, une lettre qui a été reçue par le Conseil général des finances, qui est l'ancêtre du ministère des Finances, en 1708. Une lettre qui émane des secrétaires du roi de la grande et petite chancellerie. Alors, cette charge de secrétaire du roi est extrêmement prestigieuse, outre le fait qu'elle permettait de servir le roi. Ce qui intéressait les acheteurs de cet office, de cette charge, c'est qu'elle conférait la noblesse héréditaire et par là la capacité à tous les ordres de chevalerie. La charge est prestigieuse donc, mais l'impétrant n'a aucun moyen de montrer visuellement qu'il en est doté. Et dans le document, on se plaint que les secrétaires du roi sont arrêtés sur les ponts pour payer les droits de passage, alors qu'ils en sont exemptés. Parfois même des usurpateurs se disent secrétaires du roi pour ne pas payer les taxes, car aucune marque particulière de leur dignité, là je cite le document, n'est visible. Et évidemment, le but de cette lettre, de cette requête, de cette proposition au ministre des Finances est d'obtenir un tel signe de reconnaissance. Alors je vous lis le passage qui concerne cette demande de signe particulier. Sa Majesté pourrait donner au dit secrétaire de sa maison et couronne, pour marque d'honneur et de distinction, une médaille d'or au bas d'une chaîne du même métal, sur laquelle serait emprunté d'un côté le portrait de Sa Majesté et de l'autre les deux masses de la grande chancellerie. Laquelle médaille il porterait de la même manière où que les chevaliers de Saint-Louis portent la leur. Et pour les secrétaires, près les petites chancelleries, une médaille et chaîne d'argent avec les mêmes empreintes. Bien que cette médaille, cette demande, pardon, n'ait pas été reçue de manière favorable, ou en tout cas, je n'ai pas les documents et je n'ai pas trouvé la médaille qui est décrite dans cette lettre, elle témoigne du statut honorifique de la médaille royale et de sa chaîne. Elle montre aussi la proximité qui existe entre la chaîne et sa médaille et les ordres honorifiques et les ordres de chevalerie. Le texte précise en effet que la chaîne pourra être portée comme la croix des chevaliers de Saint-Louis, c'est-à-dire en bandoulière. La médaille et sa chaîne en or, qui était jusqu'au XVIIIe siècle une récompense personnelle du souverain, tend donc à devenir progressivement la marque d'une distinction pour service rendu à l'État. Le portrait du souverain devenant par là même une image de l'État. Et vous avez ici cette gravure d'un, non pas d'un prince, mais d'un, 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 d'un,
d'un serviteur d'un prince allemand, où vous voyez, il porte nos fameuses chaînes en or. Hein, vous voyez qu'il est très fier d'exposer toutes celles qu'il a reçues. Des médailles au portrait. Et vous voyez que le portrait du souverain tend à devenir une décoration, hein, au même titre que le Collège Saint-Michel ou l'Ordre du Saint-Esprit, et non plus seulement la marque, hein, d'un rapport personnel entre le roi et son serviteur. Les natures mortes du peintre hollandais Pieter Gerritz van Rostraten montrent ainsi le double usage d'une médaille à portrait. Hop là, pardon. Oui, ici, c'est une médaille qui devait probablement appartenir au peintre, hein, puisqu'on la retrouve dans plusieurs tableaux, comme d'autres objets qui se répètent dans plusieurs tableaux. Et vous avez ici sur la gauche une chaîne en or avec la médaille du souverain, donc la manière traditionnelle, hein, de présenter la médaille, de porter la médaille. Et puis, la même médaille qui est ici passée dans un ruban destiné à être portée en sautoir, visiblement. Ces natures mortes illustrent, je crois, la transformation progressive donc d'un objet strictement personnel, hein, d'une récompense strictement qui marquait le lien personnel entre le récipiendaire et le roi, et une distinction honorifique, j'allais dire presque standardisée, hein, et qui sera très courante au XIXe siècle. Nous vous remercions. Ah, la dernière question. Peut-être juste un mot encore pour vous dire que M. Ivan Louskoutov organise au mois de juin prochain un nouveau colloque sur les médailles de Louis XIV, qui a déjà eu et avec des publications. Et vous en avez le programme et l'annonce sur des feuilles qui sont sur le devant de l'estrade. Voilà. Et si vous avez des questions, nous sommes toutes oui. Je crois qu'il y a un micro qui... Oui, il y a un micro qui circule. Et il faut parler dedans, s'il vous plaît. C'est simplement pour l'enregistrement. Bonsoir. Alors, pour mon cas, je suis actuellement étudiante en master en première année en histoire, donc c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément, car je réalise mon mémoire aussi sur ce sujet-là, sur les représentations. J'aurais aimé savoir s'il y a énormément ou peu de médailles qui représentent les événements importants du règne de Louis XIV. Voilà, vraiment les événements principaux, tels que les entrées, carrousel ou... Oui, bien sûr. En fait, notre série royale au cabinet des médailles est constituée pour moitié de médailles de Louis XIV. Il y a sous Louis XIV une amplification considérable de la production de ces médailles, à l'image du roi évidemment, mais au revers évoquant tous les événements du règne, avec l'idée de raconter l'histoire du règne à travers les médailles. Et on a sur 3000 médailles de la série royale, on en a 1500 pour Louis XIV, alors certaines en plusieurs exemplaires et dans différents métaux. Et on a, à la fin du XVIIe siècle, l'idée de reprendre rétrospectivement tous les événements du règne dans ce qu'on appelle la série uniforme, donc une production de médailles de même module, d'un module plus petit que celles que vous avez vues là, qui sont antérieures, et reprenant rétrospectivement l'histoire depuis la naissance du roi jusqu'au moment de la production de ces nouvelles médailles, de ce récit
aussi en médaille, ce qu'on appelle l'histoire métallique, et qui sera ensuite publié dans cet ouvrage qui est l'histoire du règne de Louis le Grand, les médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, donc publié en 1702, avant une deuxième publication, mais posthume en fait, en 1723, menant jusqu'à la fin du règne. Donc oui, bien sûr. Bon, j'ai une question qui sera peut-être abordée lors de votre colloque, puisque je n'ai pas eu connaissance. L'année dernière, il y a eu à l'INA une conférence à laquelle je n'ai pas pu assister, qui n'a pas été enregistrée. D'un historien américain, il paraît qu'on distribuait au Canada des petites médailles. Alors, je me souviens plus si c'était Louis XIV ou Louis XV. Donc, est-ce que vous avez un petit... Alors, c'est un peu à côté du sujet, mais un peu travaillé là-dessus. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est M. Robert Wellington, qui est un chercheur australien, et qui s'est intéressé, en fait, aux échanges de cadeaux, et notamment aux distributions de médailles de Louis XIV, au loin, donc jusqu'en Amérique, d'un côté, et aux ambassadeurs de Perse, donc d'Iran, de l'autre. Et c'est la médaille, alors on l'a montrée plus loin, non, avant ou après ? Non, avant. On l'a montrée ici, non, je crois que c'est après. C'est après la Suisse, ouais. Oui, c'est la fin de... Voilà, ici, pardon. En fait, c'est cette médaille-ci, alors qui peut apparaître, ce n'est pas une des plus belles, et on pourrait dire peut-être pas une des plus intéressantes. Après, on peut revenir à bord parmi les médailles de Louis XIV. On a tendance, évidemment, à privilégier celles évoquant des événements historiques, des batailles. Ici, on a plus une médaille de famille. Mais très curieusement, c'est la médaille qui plaisait hors d'Europe, et sans doute parce que elle est une évocation de fécondité, en fait, hein, de dynastie royale prospère, et un certain nombre de chefs indiens en Amérique se faisaient enterrer avec un exemplaire de cette médaille. Parce que ce que montre Ben Wellington, c'est ce qui est... ce qui est assez fascinant, c'est que d'une part, ça correspondait très bien aux habitudes anthropologiques des Indiens déjà avant. Ils avaient l'habitude d'utiliser des objets totémiques, des objets protecteurs comme ça. Et c'était, pour parler un peu trivialement, c'était le visage du patron, quoi. C'était montrer l'appartenance au royaume de Louis XIV, et c'est montrer le chef, l'image du chef. Et donc pour les Indiens d'Amérique, apparemment, ce que dit Robert Wellington, c'est que c'était un signe, un symbole extrêmement important. Et c'était un objet que soit on se faisait enterrer avec, soit on le transmettait de génération en génération. Et on a encore des photographies de la toute fin du 19e siècle et du début du 20e siècle où on voit encore des chefs indiens qui ont encore leur médaille de Louis XIV. Et puis ensuite, c'était cette pratique a été reprise par les Anglais, hein, lorsqu'ils ont récupéré les colonies américaines, et ils ont remplacé, en réalité, Robert Wellington l'avait montré dans la communication que vous évoquiez dans votre question, il a montré que les Anglais avaient réutilisé la médaille de Louis XIV et réimprimé, enfin refait, le portrait de Louis XIV, et il avait... comment on dit ça, repeint, enfin regravé sous les traits du roi d'Angleterre. Oui, en or. En or. Oui. Et on en discutait tout à l'heure, en fait, vous remarquez aussi que les bélières, curieusement, on aurait tendance à s'imaginer que c'est plutôt le portrait du roi, et dans les peintures, dans les représentations, dans les portraits peints, on a ces médailles tournées du côté du portrait, mais en fait, les bélières telles qu'elles sont placées privilégient le revers. Donc, tantôt la devise, tantôt ici la représentation de la famille, donc du grand dauphin et de ses fils. Oui,
Merci. Puisque vous semblez faire pas un catalogue, mais chercher quelques références, une série, est-ce que je peux me permettre de vous indiquer qu'au musée de Valenciennes, on a un buste en marbre, autrefois sur son tombeau, un buste représentant l'érudit et édile valenciennois Simon Lebouc, historien de Valenciennes au XVIIe, qui est représenté avec une chaîne autour du cou et une médaille au portrait de l'archiduc d'Autriche, enfin de la maison d'Autriche, Léopold Guillaume. Donc c'est documenté, on sait que Léopold Guillaume lui a donné, en échange de monnaie romaine trouvée dans le sous-sol autour de Valenciennes, peut-être aussi pour ses qualités d'administrateur de la ville pendant le siège organisé par les Français en 56. Bon, voilà, c'est un exemple. Merci beaucoup. Oui, c'est intéressant de rassembler cette documentation, et d'autant plus si elle est documentée, en fait, hein, si la réception est... Oui, surtout que ça semble quelque chose de très courant, en fait, cette distribution de chaînes et d'or, mais on a extrêmement peu d'archives. Très peu d'objets, de vestiges qui ont survécu, parce que l'or, évidemment, n'aide pas à la bonne, disons, à la survivance, à la bonne conservation de ces objets. Donc, on conserve que des petits éléments comme ça, parcellaires. Donc, il faudrait faire le corpus maintenant. Oui. Oui, merci. Et du coup, pour poursuivre cette question des récipiendaires et de tous ces objets, je m'interrogeais sur le genre, du coup, des récipiendaires, notamment par le corpus que Ludovic nous a montré. On a vu là des artistes, des soldats, mais tous masculins. Est-ce que, du coup, certaines femmes dans ce corpus recevaient ce type d'objet? Est-ce qu'on en a connaissance? Je me suis posé la question. C'est pour ça que j'ai mis le portrait de Ruyter avec sa femme. Ici, on a l'impression que l'amiral se distingue. Alors ici, ce n'est pas une chaîne, mais c'est le collier d'ordre. Et sa femme par le collier de perles, et les perles, les rangs de perles. Moi, je n'ai pas connaissance à ce jour, en tout cas, d'exemple au féminin. Mais j'en connais un seul, mais c'est la fille... illégitime de Côme, le grand-duc de Toscane, la petite Bia, un très beau portrait de Blondine, et où vous la voyez donc avec une chaîne en or et la médaille de son père, hein, qui représente son père. Donc c'est là encore un moyen de montrer la filiation. Hein. Ça a beau être une fille illégitime, elle est quand même la fille de son père. Mais c'est le seul exemple que je connaisse. Je vous ai déjà dit, pour les Français, c'est un usage qui me semble vraiment, vraiment rare. Donc parmi les artistes, aucun, sauf Pierre Dupuis. Les autres grands artistes, eux, se font représenter avec l'ordre de Saint-Michel. Mais sinon, non, c'est le seul exemple de portrait féminin avec une médaille que j'ai, pour le moment. Hein. Après, Ceci étant, il faut ouvrir l'œil, parce que plusieurs de ces portraits ne se... remarquez peut-être pas tant que ça pour ces détails du costume, finalement. Et là, je pense qu'ils deviennent parlants. Et puis, il ne faut pas les confondre avec les chaînes qui servent à porter, par exemple, un sceau. Donc, ça c'est une chaîne personnelle, hein, ce n'est pas un cadeau. Ou un bijou, par exemple. Oui, il y avait de toute façon toutes sortes de chaînes, enfin, depuis le costume médiéval qui servait à suspendre de chaînettes, ou qui servait à suspendre divers objets. Et effectivement, la matrice de sceaux est impossible, en fait. D'autres questions? Bon. En tout cas, je vous remercie d'être venus nombreux.